beaucoup d'émotions. Vous savez, la poésie, la bonne poésie, c'est des paroles plaisantes au cœur, à l'esprit, à l'âme. C'est ces poèmes d'Amidou m'ont véritablement touché au plus profond de moi-même. Pourquoi ? Parce que Amidou nous a offert Rhapsodie fluviale. C'est un hymne à son fleuve, mais à notre fleuve. Ce fleuve qui a donné son nom à mon pays. Et en même temps, Amidou a réalisé le tour de force d'être une sorte de synthèse réussie de ces deux pères spirituels, Senghor et Césaire. On a chez lui la fulgurance, on a chez lui le caractère apaisé, on a le rythme, on a ce don extraordinaire qu'il a de l'écriture. Parce qu'on peut être fils spirituel de Senghor et de Césaire et ne pas bien les servir. Mais lui, il sait les servir. Il sait servir son peuple et notre humanité en leur donnant ce beau joyau qu'est ce poème, ce livre Rhapsodie fluviale. Et il a cette qualité d'écriture, ce don, cette profondeur et cette cohérence de la pensée, ce rythme, cette harmonie, cet équilibre, c'est tout simplement merveilleux. Et moi, je dis que c'est vraiment un chef-d'œuvre qu'il a commis.